Bonjour, c'est Sébastien en direct du blog kabylou.com. Aujourd'hui, le dernier arrivage, c'est le Sony Ericsson W960i, le dernier smartphone de la gamme Sony Ericsson. Alors, on découvre très rapidement le produit et son coffret. On va commencer donc par le téléphone en lui-même. Alors, c'est un téléphone tactile. Alors, il se positionne clairement concurrent à l'Apple iPhone notamment, One 95 8 Go, puisque le W960 intègre une capacité de stockage de 8 Go sur une mémoire, enfin, sur une mémoire interne flash. Donc d'ailleurs on ne retrouve aucun emplacement pour carte mémoire. Donc, ici on retrouve des différents boutons, donc l'appareil photo, une molette de navigation, ici un petit stylet. Donc l'écran, comme je vous le disais, est un écran tactile. Donc vous pouvez en fait utiliser directement avec vos doigts ou sinon vous passez par le stylet. Donc le dossier c'est quand même nettement plus fin. Donc on accède au menu ici comme ceci. Donc on va par exemple aller sur l'appareil photo. Voilà, donc ici on a différents paramètres. Donc là, vous pouvez en fait changer entre les différents menus avec la petite molette. Donc en fait, c'est un appareil photo. Donc là, ici, il était calibré sur 2 mégapixels, mais c'est du 3,2 mégapixels. Donc rien d'exceptionnel du côté de l'appareil photo. On retourne ici au menu. Donc ensuite, on retourne à l'accueil, menu principal. Donc il y a la radio FM, musique DJ, une petite démo du produit. Donc l'OS est un Symbian, on sait pas. Lors de nos tests, c'était plutôt rapide, c'est vrai que là ça paraît un petit peu lent quand même. Donc lecteur vidéo, lecteur donc de fichiers MP3. Donc ici en fait, donc vous voyez qu'il y a des touches rétroéclairées qui viennent de s'activer, donc pour play, pause et stop et avance rapide, recul rapide. Donc les différents menus en fait, Sony Ericsson, Walkman, qu'on retrouve en fait fréquemment sur l'ensemble de la gamme. Donc là vous avez la petite molette quand vous avez des fichiers MP3. Donc là c'est différents menus lors du démarrage du téléphone. Les lectures, humeur, les pistes, des compilations, albums, des artistes, des enregistrements que vous pourriez faire. On retrouve le répertoire, l'accès à la messagerie, les appels. Donc ici c'est la touche qui permet de revenir au Walkman. Donc vous avez bien entendu un. Donc là tout à l'heure j'ai lancé l'appareil photo, vous avez également la vidéo. On retrouve aussi donc un menu de réglage. Donc bien entendu les Bluetooth stéréo. Voilà. Voilà pour les différentes fonctionnalités du téléphone. Donc écran tactile et une capacité de 8 Go, qui sont en fait les deux éléments principaux de ce téléphone. On peut également remarquer qu'il est relativement fin et plutôt léger aussi. Voilà, ça c'est la présentation du téléphone. Le contenu du coffret. Ici, on retrouve une boîte. Donc, le coffret est, comme à l'accoutumée chez Sony Ericsson, très bien présenté. Ça peut vraiment se présenter comme un cadeau si on souhaite l'offrir. Un petit étui, le cordon data de transfert, le kit piéton qui fait office également de radio FM, donc kit piéton double oreillette stéréo, le chargeur secteur, bien entendu,
Et ici, on retrouve donc ton différent manuel d'utilisation et également un CD-ROM PC Suite. Donc pour gérer votre appareil, vos fichiers. Voilà pour la présentation du W960 qui est arrivé semaine dernière au sein de la boutique. Voilà, c'était Sébastien en direct du blog kabilou.com.